Et on est de retour. Se rendre au sommet. Est-ce qu'on est à la fin ou pas encore? Je sais qu'on combat au sommet. Enfin, c'est peut-être pas là. Non, mais on doit pas être là. Bref, la dernière fois, on a combattu Krauser. Ça s'est bien passé. C'était assez mouvementé, mais ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est cool. Non! C'est pas ça que je voulais faire, je voulais les échanger. Merde, attendez. Ça commence bien. Ça commence bien. Ce sel-là, on va les vendre. On va les vendre, les jaunes. On a notre vie, elle est au max déjà. Donc, bienvenue. Bon, on bougera ça quand on aura un marchand. Donc, ouais, la dernière fois, on a combattu Krauser. On l'a vaincu et on a récupéré son couteau. Et apparemment, son couteau est vraiment mieux que le nôtre. Donc, faut voir. Alors. Putain, c'est bien gardé là-bas. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça doit être leur sanctuaire. Ashley! Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Rien de très très spécial. On a... Ouais, on les a déjà combattus et tout, ça va. Ouf, il y a les veines qui ressortent, Léon. Qui ressortent. Ok, il nous faudrait donc... un marchand, genre Fissa, parce que on a plus de... Voilà. Ah, la pause est finie, je suppose. Très bien. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Ah ah! Multiplicateur puissance par deux! Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. La prochaine fois... Alors, fais voir un peu. Achète quelque chose. Attends, déjà, faut qu'on vende. Prix de revente des objets de soins. Bienvenue. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Ok, nickel. On va faire un peu le tri. Donc on s'est remis plus ou moins full vie. On a encore des œufs, ce qui est bien. Alors, on a notre couteau. Alors, la dernière fois, j'avais parlé du fait que. On pourrait vendre. Et bonne route. Bienvenue. On peut J'ai vendre le couteau ou pas? Non, hein. À vendre, ah, si, on peut vendre le couteau de combat. J'achète tout et n'importe quoi. 147K. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Tu vas un peu maximum. Ah, il est pas si... Oui, il fait des dégâts, quoi, mais la résistance, c'est moins bon. C'est moins bon. Est-ce une autre fois peut-être? Voir si on l'équipe. Vas-y, range-le. Ah, il est c'est classe, hein. C'est quand même pourri les enchaînements au couteau. C'est juste deux coups. Je sais pas quoi faire. Non, là, je sais pas quoi faire en fait. Parce qu'en théorie, on pourrait se concentrer sur le couteau, celui-là. On vend le nôtre. Et on augmente celui-là.
Mais comme j'ai dit, bah ça fait un peu chier de vendre en fait. Parce que vu qu'on a augmenté le truc. Donc autant tourner sur deux couteaux. Les carreaux, on peut en faire avec ce qu'on a. Fais voir, c'est où les carreaux? Nul, 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 c'est bien. Ça, je suis pas sûr d'en avoir besoin. J'imagine que non, peut-être, parce qu'on n'est plus dans le laboratoire. On va espérer que. Voilà. On va espérer que ma logique est bonne. Alors, attends, si je fais ça. Ok, nickel. Très bien. Ok, ça c'est avec le laser. Là, on est bon. Comme ça, on fait de la place en fait. Comme ça, on fait de la place. Grenade. Alors, les munitions, on avait dit que on n'allait pas utiliser la mitraillette parce qu'honnêtement, c'est vraiment bof. Prix de vente des munitions. Oui, on peut pas en mettre deux. Donc du coup, ça aussi faudrait vendre. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Nickel. Alors. Un. Ça aussi. Ok, nickel. Pas mal. Pas mal. On a 35K, ce qui est pas très très intéressant, hein. Alors lui, ouais, lui j'ai envie de le vendre parce que peu bof, mais J'achète bon. tout et n'importe quoi. Est-ce que reviens quand tu veux, surtout. J'ai quoi? J'ai ça et ça. Gilet et couteau, déjà on va utiliser l'argent pour Bienvenue. gilet et couteau. C'est un peu le bordel de faire des va-et-vient comme Comme ça. neuf. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Celui-là il a ça. Un Celui-là, couteau a besoin vu qu'on qu'il est au s'en max, honnêtement, occupe. j'ai pas envie de le La vie ne vendre. tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Et ces deux-là, on va. Enfin, ce. Celui-là, on va peut-être l'augmenter, comme ça on utilisera les deux couteaux qu'on a. Parce qu'après, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à augmenter. Capacité, on passera à 9. Non, 9. 24. En quoi elle va pas te faire tuer, hein? Alors, on veut ça. Ah! Bienvenue. Si tu veux avoir une chance de On a que survivre, je te 24 000. conseille Qu'est-ce qu'on peut d'améliorer faire? tes armes. On peut toujours augmenter la capacité, mais bon, c'est pas énorme. Il faudrait plus d'argent en fait. Parce que là, c'est une cartouche de plus, c'est pas très intéressant. Le pistolet, bon, c'est 3 balles de plus, pas vraiment. À la limite, c'est les dégâts. Bon, les dégâts de ça et ça qu'on pourrait augmenter, mais c'est énorme. Donc, on préfère. On verra si un jour on a. Pas si à un moment on a genre un surplus d'argent énorme. Donc je dirais que on peut prendre le couteau et augmenter le couteau. Et voilà, comme tu l'as demandé. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Après, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'intéressant en fait. Et à certaines choses, reviens quand tu veux, surtout. Très bien. Il vend pas des ferrailles? Bienvenue. Qu'est-ce que je peux Si, il faire vend des pour toi? ferrailles. Hein? Comme tu voudras. Alors, et de la ferraille. L'étranger.
Bienvenue. Mieux vaut prévenir que guérir. Fais bonne route. Maintenant, nous, on va mettre création de pistolet. Voilà. C'est bien comme ça. Bon, ben voilà. Ouais, on utilise celui-là de Crozer pour le moment. Il fait plus mal. On a plus de dégâts avec celui-là. Donc on va utiliser Crozer. C'est 1.20. C'est un point. Donc ouais. On va jouer sur ces deux couteaux. Après pour ce qui est des crafts, vu qu'on est au marchand là, qu'on peut mettre les porte-bonheur. On peut faire des cartouches de fusil à pompe. Les carreaux on n'a pas de mine par contre. On peut faire des mines. On n'a pas de grenades. Si on a des grenades. On n'a pas fusil à pompe, hein, cartouche de fusil à pompe. Non. On a fusil. On a 35% pour les magnums. C'est quoi les magnums? 17. C'est des petites. C'est x3 à peine. Oh là là, je sais pas. On va faire des cartouches de fusil à pompe déjà. Ouais, voilà. C'est joli comme ça. Il est joli notre inventaire comme ça, non? Je voudrais bien sélectionner, avoir des emplacements juste pour les munitions, comme ça fait joli. Ouais, là il est joli. Donc on a du matos. On pourrait, à la limite, on pourrait garder le capteur pour le moment, juste histoire de l'avoir sur soi si jamais il y a une créature qui se balade. Sinon, si on est plein après, on le vire. Vous voyez ce que je veux dire? Juste au cas où. Et ciao. Il faudrait de l'argent pour aller récupérer aussi un spray. Ah la vache, t'es sérieux? Non! Ok, ils m'ont pas vu. Ils ont une Gatling. Oh là là, comme ils tremblent! Wow. C'était quoi? Oh yes! Yes, ça tue! Désolé, ça bouchonnait. Un hélico de combat de la part de Digan. Un. Ça tue! Ça marche!
Là, genre là, là, défonce-les. Ah, 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 doucement. Putain de merde. Ah bien, il a pris feu. Ah, refais un passage. C'est quoi, Anigan? Yeah, bien joué. Encore, encore, Anigan. Ouh la vache. Oh, doucement, doucement. Gatling. Oh, oh, oh. Anigan. Merde, je sais pas si... Ah si, si, oula, ouh, j'aime bien ce bruit. Ouf, oui. Oui, ça marche, oui, oui, oui. Ouh, bien joué. Là, tu... Tu gères, mec, tu gères. Bon. Oh la vache. Merci. Après, pour ceux qui ont fait l'original, vous savez ce qui se passe. Hein. Putain. Vous savez ce qui se passe à la fin, c'est triste. Si je le... Okay, très bien, très bien. Vas-y, bouffe. Oui, vas-y, Léon, vas-y, Léon. Mange-toi toutes les flammes et reste dedans. C'est bien, Léon. J'allais dire, si jamais je me... Si jamais je le poignarde, la bouteille, elle va tomber et on va prendre feu. Voilà, c'est bien. Ça s'était super bien passé, on s'était pas fait toucher. Voilà, on a perdu quasiment la moitié de notre gilet, on a brûlé, c'est cool. Vraiment bien joué, Léon. Ça me fait très plaisir. Limite envie de recharger la partie tellement que là, c'est débile, quoi. Il est aussi bien que Piquad, le mec qui nous aide. On peut l'utiliser. Oh yes. Waouh, la vache. Allez, vénère la mâche. Hein. Laisse-moi m'occuper de cette zone. Ça marche. Ok. Ouais. Oh, pas mal du tout. Ah, quand on a des appuis aériens, c'est pas pareil, hein. Ah, ils font plus les malins, les connards. Hein. Ah, ça va, c'est cool. Vraiment, vraiment cool. Très bien. Oh non! Je fais... Vas-y, fais ton ménage, je reviens. J'ai oublié un truc. Ça, apparemment, je suis complètement aveugle. C'est là.
cool ce passage. Il y a plein de passages super fun. Ils ont bien découpé. Hein. D'abord faire le l'anti-aérien. Oh, il y a du monde. Merde. Par où on passe? Oh la vache. Oui, 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 mais mon Léon, il est un peu... Chier, toi. Ok, doucement, doucement. Ok, la Gatling, elle est là, ça marche. Arrête de trembler, Léon. Waouh, hitbox. Merci. Putain, on aurait pu faire péter plein de trucs, hein. Je me suis fait chier vraiment pour rien. L'arbalète? Non. Je sais pas qui m'envoie des carreaux. Ok, c'est bon, on peut le trouver. Je pensais pas que ça allait passer, honnêtement. C'est quel connard qui m'envoie des carreaux? C'est à gauche. Un con qui m'envoie des carreaux. Il est là. Merde. Je pense qu'on aurait pu rusher en fait en dessous pour aller faire l'anti-aérien direct et on aurait peut-être économisé beaucoup moins de munitions. Comme ça, Piquad y revient.
Comment on monte? On doit péter un truc. Ouais non là comment? On lui tire dessus, on le fait exploser. C'est brûlé tout seul ce con. Nickel. Oh merde. Putain. T'as des dents. Au devant. Quête. Oh. Ok, il est là-bas. Ok, cool. Je vais commencer à taper avec... Il est temps d'inverser les rôles. Oh yeah yeah, derrière. Yeah, let's go. Je suis toujours un con, juste en bas à droite. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'objet, je crois pas qu'on puisse aller de ce côté-là. Continue à me couvrir. Oh. Du monde. C'est ouvert. Exacte-toi bien. Oh merde! Ok, mauvaise nouvelle, je suis à sec! Va falloir te débrouiller tout seul! Sans deck! T'inquiète, ça va le faire! Je m'en fais pas pour toi, va! Oh! What the fuck? T'as vu tout ce qu'il y a, mec? Oh là là, t'exagères. Au devant. Ah.
pas te faire mettre, toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ouh, on peut faire ça. Merde. Oh, la vache. Oh ouais. Ouh, je crois qu'on a fait une belle explosion, là. On va faire ça. Non, on va faire ça. Aïe! Putain, tu me gaves avec ton feu. On va te faire mettre. Voilà, connard. C'est con, hein. Chiant le feu, hein. Chiant le feu, ça brûle, il paraît. Deux enfoirés. Bon, c'est débrouillé. Mec, il est à sec, quoi, à ce moment-là. Oh mon dieu. Je suis dans la merde. Oh putain de merde. Couvert. Avance, bordel de merde. Ils veulent pas venir. Pas grave. Bordel, je le savais. Galère ici. Que je m'occupe des Gatling en fait. Je vois pas leur tête. Ramène-toi. Léon, bouge, Léon, arrête de te faire stunner comme un con. Merci. Putain, Léon, hein. Ils sont vraiment mal placés, hein. Il pourra pas utiliser. On est bon, on a du cartouche. Okay, vas-y, ramène-toi. Ah, ok. Ça marche. Bien. On fera économiser les munes.
T'es sérieux? Putain. Ah vache. Nickel. Caro, merci. Ok, let's go. On va... on va... Je sais pas. On va monter. Toute botte. Honnêtement, j'ai l'impression que le jeu il pourrait être vache super bien à deux aussi, à deux joueurs. Tellement que l'ambiance et tout elle est très très bien. Et, genre côté militaire et tout ça, de combat. Enfin bref, je sais pas. Je suis en train d'imaginer ça. Qu'on peut faire des carreaux. On peut faire des carreaux en plus, mais je pense pas que ce soit vraiment très très utile. On va continuer d'utiliser le couteau de Krauser. Après, on changera sur le nôtre. Un truc derrière ou quoi? Non. On est où là? Okay. Nickel. Ok, là-bas ça doit être les leviers. Pour la porte. On a plus de gilet, hein. Ouais, on a plus de gilet du tout. Ahí está. J'entends un gros buffle en fait. Ouais. Ils veulent pas sortir du périmètre, par contre, on peut utiliser ça à notre avantage. On peut complètement utiliser ça à notre avantage. C'est pas ce qu'il fait, lui. Foutez-moi la paix. J'aurais dû utiliser des carreaux. Oh, 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 oh. Ouais, lui c'est pareil, ok. Ok, bien joué mec. Ah, j'aime pas trop cet endroit parce que ils peuvent pas sortir, du coup c'est... En fait, on est bloqué à faire des allers-retours comme ça. Par contre, j'ai pas pris. S'occuper de lui en fait. Et après on prend la mitraillette. Suivant. Pas mal, okay. J'imagine que lui aussi il va pas se tenir.
On n'a pas de flashbang, je vais pas en faire plus pour lui, on va utiliser les carreaux au pire. Une distance de merde. Oh là là. Ok. Ah, fait chier. Laisse le coffre. Ah merde. Ok. Je vais pas avoir le temps de tirer avec, avec la Gatling, je crois. Merde. Je me bloque. Léon est trop lent. Je peux pas courir d'un endroit à l'autre en fait. Ils ont le temps de me rattraper parce que Léon est putain de lent de ouf quoi. Allez, peut-être un. Ah ça va, j'ai eu les deux. Ah c'est... Ah la vache. Ah c'est fatigant hein, de voir Léon aussi lent. Incroyable. Bon. Bah ça va, on s'est bien débrouillé là. Tu vois un peu? Ouais, ça va. Ouais. On s'est très bien débrouillé. Nickel, ça on le vendra. On va regarder la carte vite fait, voir ce qu'il reste. Ok, je crois qu'on a tout. Nickel. Oh. Est-ce qu'il sort ou pas? Pas l'impression. Ah. Munition de mitraillette. Où est-ce? Ok. Alors. Ah. Munition de fusil. Mais alors là, je crois que c'est un peu con hein, ce que je fais parce que je pense pas qu'on puisse les récupérer. Mais c'est munitions de fusil, donc bon. Peut-être au-dessus en fait. Non, si, peut-être que je peux les prendre. Là. Nickel.
Nickel, nickel. On peut pas transporter un deuxième gilet pare-balles. Si l'hélico il revient, il dit qu'il a fait le plein, je comprendrai pas pourquoi, comment il a fait le plein. Allez, monte ! Merci ! Monte. Quand on sera rentré, je peux m'attourner. Je connais un bar cool. Oh non, sois pas trop gentil. Sois pas trop sympa, tu vas mal finir. C'est ça, garde la tête baissée. En douceur. Putain. Oh là, c'est... Ah, il a des insectes. Putain de toi. Non, prends celui-là. J'ai tiré assez vite sur les autres, mais le dernier, j'ai loupé. Mike est mort. Attends. Ouais, on va d'abord visiter un peu. Dans l'original, je crois bien que c'est un des guerriers, ça, qui lui met médaillon bleu, okay. Qui lui met une requête. Je crois qu'il lui balance une requête dans l'original. Je sais pas par où faut continuer en fait. C'est ce que c'est la porte là-bas? Je pense. Attends, j'ai vu qu'il y en avait un qui était très loin. Ah, tu crois que c'est en dessous? Ok, ça doit être... ça marche. D'abord, faut regarder à gauche. Y a... Non, je viens de la gauche, donc il n'y a rien. Ok, on descend. J'ai vu un médaillon aussi là. Ça, c'est du secondaire. Hein. Je vais garder ça là. À la main, juste au cas où. Ça. Les os de nos frères reposent dans toutes les terres. Le sang de nos frères est dans notre nourriture. Nous mourons seulement pour renaître. Nous vivons pour l'éternité. Notre règne est absolu. Kinan Sadler. Épitaphe de la falaise. Il y a un... celui-là, là, il me...
Il est où le machin? Enfin, c'est même pas il est où le machin, c'est il faut se positionner où pour le voir. C'est surtout ça. Ah, ok. Tada. Je vais remonter l'échelle, je vais me mettre en hauteur parce qu'apparemment c'est au même niveau que l'échelle. Je vais voir si on doit pas lui, parce que lui tirer dessus depuis là. Parce que ça dit c'est les médaillons de la falaise. Donc est-ce que c'est que cet endroit là ou est-ce que c'est un autre endroit aussi genre là. Donc toi tu me dis en direction là. Ah si si si, si il est là. Attends, je peux le faire au pistolet? Voilà. Terminé. C'est quoi ça? Oh merde. Je dis pas qu'il y a des régénérateurs dedans. Ça s'arrête jamais quoi. On le tue Laura ou pas? Je vois rien du tout. Il a disparu. Entrepôt du spécimen, ça a l'air fun, dis-moi. Je sais pas ce que c'est. J'aurais dû taper, comme ça j'aurais bloqué. Je sais pas ce que c'est, mais ça s'annonce mal. On a 3 x 30.
3x10, pardon. On pourrait faire des trucs. On est un peu plein. Ah, on peut envoyer au coffre, oui. Si c'est cassé, on peut envoyer au coffre. C'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça, en fait. J'ai jamais... ça, c'est pas comme si on pouvait le réparer, en fait. Le couteau. C'est celle-là. Pardon. Putain, Léon. Oh non. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein? Bien joué! T'as prouvé que t'étais digne de con. À chaque fois que je vois maintenant... C'est énorme. À chaque fois que je vois le... le stand de tir, je... Ça me blase maintenant. Ça y est, je suis complètement blasé du stand de tir. Et bienvenue! J'ai plein de choses intéressantes. Sceptre, bâton cérémonial en or, richement décoré. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le fait étranger, oh. Je suis prêt à payer une coquette. Essaie d'y faire attention, d'accord. Rien de plus facile. Essaie d'y faire attention, d'accord. Ok, très bien. On a 91K. Est-ce que fait... Je crois qu'on peut avoir même un peu plus. Là, on a bracelet splendide. C'est quoi? C'est deux fois la couleur? Le mur, ouais. Et bonne... Bienvenue. Merci. Reviens quand tu veux, surtout. Alors, amélioration. Amélioration... Je sais pas s'il avait des ferrailles, j'ai pas fait attention. Revendre le prix des munitions. Bienvenue. C'est ça, on a dit que on aimait pas. J'achète tout et n'importe quoi. Ah, j'ai pas pris le scarabée. J'ai plein de mais bonne route. Bienvenue. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Oui, oui, j'ai ça, moi. Fabrique vente. Il y a la vipère. Il y a la vipère aussi qu'on peut vendre. Ou alors on met des porte-bonheur pour que ça nous soigne. Ça peut être intéressant. Intéressant. J'ai pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de... 57K pour le Magnum, on peut le faire. Après, bon, ça, le ticket, on s'en tape. Après, il y a le Punisher, c'est vrai que je voudrais bien avoir le... Ça, ça peut être marrant. Enfin, quoi que non, c'est pas trop... C'est ça, à la limite, qu'il faudrait faire. Mais avec 125K, je pense pas qu'on y arrive. Puissance de 1.5, ça serait bien aussi. Et en champ de coup critique par 5.
Bah j'hésite, ou on fait du magnum ou on fait du couteau. Je pense pas que... Je pense qu'avec le couteau on peut se débrouiller comme ça. On va peut-être faire du magnum. Et voilà, comme tu l'as demandé. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. J'achète tout et n'importe quoi. En quoi ? Reviens quand tu veux, sur... C'est pas mal. Par contre, on a trop de... trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a trop de bordel, en fait. Non, on a vraiment trop de bordel. On peut faire des munitions, mais on n'a pas trop besoin. Je pourrais faire des munitions de fusil, à la limite. Et 10 poudres et un truc lourd. Pour voir. On devrait sauvegarder, je devais recharger si ça marche pas. Honnêtement. Genre là, ça a pas marché, on devrait... Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Ok, on a ça, on a des cartouches, des pistolets, tout ça machin, c'est bien. On va se remettre en combat. Je pense qu'on va faire ça, vipère 30%. Non, vipère 40%. Waouh, ok. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal comme ça. Mais ouais, on peut faire des n'importe quel type de munitions, des grenades, flash ou alors explosives. Il n'y a pas de problème. On a du soin à tout va là maintenant en ce moment. Là, ça se passe bien. On va sauvegarder. Et on va voir l'horreur. On va voir l'horreur en bas. Si c'est un nouveau stand de tir. Si c'est un nouveau stand de tir. On va devoir le faire. Hein. Étranger, détends-toi et surtout, abuse-toi, d'accord ? Non, ça va, c'est pas nouveau. Ça va être la dernière en fait. La dernière fois qu'on peut, on peut faire ça. Ouf, j'ai eu peur. Hé, me dis pas que tu t'en vas déjà. Ah si, si, j'aime pas ce stand de tir. La merde, la merde, ton stand de tir, casse-toi. Salut. J'ai changé, j'ai tout. On est bon, on avance. Non, on va continuer. Oui, on continue encore un tout petit peu. Nickel, let's go. Ahí está. Oh la vache. Je suis presque. Oh. J'ai le couteau de qui là ? J'ai le mien. On va prendre celui de Chrome. Il fait plus de dégâts. On fait quoi ? On fait de ça un peu ? Doucement, les balles. Il est pas mort. Si. Merda. La tête dure, toi. Ça s'arrête jamais. Voilà. Ah,
s'est pris un piège à loup. C'est con, hein. Ouais, attention, il y a des mines. Enfin, des pièges, quoi. On fait gaffe parce qu'il y a des insectes. Batman là, pas loin. Là. Il fait chier, il est bloqué. Si je le fais exploser, il va être trop loin. Calme avec qu'est-ce qu'ils sont gros ceux-là. Oh oh oh, c'est le Gatling Boy. Oh la vache. On peut pas se prendre des groquettes. Ah non, c'est pas une Gatling. Non, c'est lui. Okay. Oh la vache. Mon gilet. J'avoue que le gilet, il a tout pris là. Oh la vache. Excuse-moi, mais le gilet il a un peu pris cher. Ouh, toi tu dis bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merde. Une affaire bien conclue. Être méfait, bonne route. C'est fait avoir un peu bêtement, hein, mais bon. J'étais bloqué, Léon comme d'habitude, il met 7 ans à bouger tout ça, donc bon, je pouvais pas faire grand chose comme d'habitude. Mais je pensais qu'avec le fusil à pompe on allait tirer assez vite. Peut-être que ma vitesse de tir était pas assez élevée, par exemple. Là c'est peut-être un exemple de la vitesse de tir du fusil à pompe était pas assez élevée. J'ai pas pu l'enchaîner en fait. Bon, il est où le lance-roquette là? Il m'avait oublié. Je suis sorti de la zone, il m'avait oublié. Ok, nickel. On va revenir. Ah, on a une basse, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention qu'on avait un poisson aussi. Ah, je sais que c'est chiant, mais on est un peu plein en. Vous êtes fini, je suppose. Bienvenue! En quoi puis-je t'être utile? Reviens quand tu veux. Quel? Surtout. Okay. Ouais, non, le poisson, on pourrait l'utiliser. Voilà. Ouais, go. No. Piège. Piège. Piège qui vole. Ah,
Vénère les mecs. Vous voyez qu'ils sont assez cons pour aller du côté gauche. Non. Ils sont beaucoup, dis-moi. Désolé, j'ai glissé. Charge vite, on a le temps. Ok, bien, 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 bien. La grenade a bien aidé. Ça va. Pas parfait, mais ça va, c'est potable. On avance. Je vais pas réparer le gilet, ça va quand même. Hein. Sinon on n'avance jamais quoi. Ouf. Bien. Le tour. Merde. Elle est où? Elle est là. Suivant. Bien, bien. On ira récupérer tous les objets après. J'entends un gros qui se balade. Ça y va les... Ça y va les munes. C'est très bon. Comment on fait ça? On tire dessus? Non, on tire pas, c'est gros, c'est blindé. Okay. Ah non, c'est la porte au fond du... Là, là, enfin, rambarde, là. Pas la rambarde. Mais... Fait chier. Voy a bañarme en tu sangre. Menudo granuja.
T'es sérieux? On a fait péter son truc. Oh, on peut lui détruire son dispositif en fait. Oh, le fils de pute. Non! Putain de merde! Oh la vache! Toi tu vas pomper trop de munitions toi. On va faire ça. Au devant! Ah quoique on a... Non non les carreaux sur les ceux-là ils te crachent dessus et tout. C'est la merde. Allez, on va réparer. Ça va. Là, on sait... le combat est vraiment fun quand ça se passe comme ça. C'est vraiment sympa. Ouh, toi, tu es bienvenu. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Rien de plus facile. Comme neuf. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Tu sais, j'ai fait bonne route. On avait mis quoi, celui-là? On peut utiliser la vipère direct maintenant. Comme ça, ça nous soigne. Ok. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme munition? Peut-être du pistolet, un peu. Un peu de pistolet serait pas mal. Des carreaux, on en a besoin ou pas? Non, on n'a pas besoin de carreaux. Munitions pistolet. Voilà, plus 5, très bien. Ah! On peut faire avec clic droit aussi. C'est bien quand le jeu te dit pas les touches hein, qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées. Hein. C'est ouf, ça me rend fou à chaque fois. Je vois pas pourquoi. Hein, c'est... Pas quoi que, dans un sens, après, ils vont pas mettre 150 touches, mais... Mais genre, nulle part, il y a écrit que je peux retourner les choses avec mon clic droit. Hein. Enfin, tant mieux, on va dire, tant mieux, c'est pas grave. Tant mieux qu'on puisse le faire. On va pas se plaindre. Ok, on a du matos. J'ai pas de carreau grenade, par contre. Ça m'embête un peu. Après, on peut en faire, on a assez. Ok, nickel. Nickel. Savoir beaucoup de choses. Ok, on y retourne. Je
J'utilise un peu plus le fusil d'assaut peut-être. On a plein de... On a quelques munitions quoi. Il y a des pesetas qui me manquent. On a des pesetas, où ça? Et un carreau là. Attends, ça c'est à mon niveau. Ah oui, c'est vrai que je suis pas allé là encore. Là-haut. Ouais, carreau, ça c'est qu'on combattait. Faut que je... Putain, j'ai failli me prendre le... Ouais, ouais, je suis pas monté. J'ai vu l'échelle tout à l'heure, mais avec tout le bordel et tout, j'ai pas calculé. Et c'est tasse, très bien. Et après, il y a là, il y a ça. Nickel. Ah, putain, nickel, nickel. Tu vas voir un peu? Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Si jamais des gens qui viennent, parce que je sens qu'ils vont venir. Ok, go. Retrouver Ashley. Ah, il y a dame, ça. Waouh, c'est super creepy, c'est bien. Ashley, on a ça là, on a un trésor juste devant. Ah merde, encore. Te voilà, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement partager ce don avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas? Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant, ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier! Oh. Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce don sacré? Comme elle l'a fait. Sagler! Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni et reçoive la douce miséricorde. Exultons! Et qu'il en soit ainsi. Léo! Va-t'en! Les balles, son corps a absorbé les balles et il les a refait tomber avec toute sa main. Ashley. Ok, on va au laboratoire. Merde. Vous êtes ici? On va faire voir un peu. You are here, sanctuary, warehouse. Laboratoire B. Ça devrait être par là. Ouais, c'est tout droit. J'allais dire, ça aurait été mieux d'attaquer Sadler. Oh mon dieu.
Oh, ça tue. D'attaquer Saddler quand on s'est enlevé le... Enfin, s'enlever le parasite avant d'attaquer Saddler. Mais le laboratoire est ici, en fait. Oh. Je deviens fou. Je deviens fou. Bah ouais, ouais, il nous contrôle et tout, c'est le bordel, quoi. Bah, il peut nous contrôler. Tu résistes encore, ferme-la. C'est classe. Ce passage, ça n'existait pas dans l'original, ça. Ils ont bien bien fait. Bah, cassez-vous! Cassez-vous les frères Mickey là! Vos gueules! Cassez-vous les sans-âmes! Les sans-cœur, pardon, les sans-cœur! Putain de merde! Ah, ça tue! Ah, c'est super cool! Non, 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 non. Vas-y. Putain, Solid Snake, il a marché dans un micro-ondes. Tu peux le faire, Léon. Vas-y, tu peux le faire. Ça serait bien, après, qu'on soit plus puissant si on enlève le parasite en nous. Genre, je sais pas, qu'il soit plus rapide, j'en sais rien. Plus réactif. En plus, t'es télépathe. Non, t'es pas télépathe. T'es... Cette fois, ce sera différent. Tu fais de la télékinésie et tout pour ouvrir les portes. C'est trop bien, Léon. Vas-y. Vas-y, Léon. Vas-y. Commence par toi. Non, pas question. Je te l'ai dit. Je vais te ramener chez toi. On va pas lui ouvrir le... Ça va aller. Le t-shirt. Enfin, c'est pas... Hein. Que là, on va lui découper le torse, là, ou alors c'est par laser. Comment ça marche? Ah, ok. Ah, le truc, il est désintégré, ça tue. Louis, lui, il avait une cicatrice, c'est pour ça que je dis ça. Donc lui, c'est, ça n'a pas été la même chose, quoi. Bon, allez, pousse-la. Non! Merde. Ah, il n'a plus les veines, ça y est. Ça a disparu. Ah, c'était cool! Il était ennemi tué, 125. Ah ouais, violent, hein, violent, violent. On est toujours dans les 80% de la précision, j'ai remarqué, c'est pas mal. Attaque subie, à peine 10. On s'est super bien débrouillé. Hein. On s'est méga bien débrouillé dans ce chapitre. Et il était méga fun, il était super fun ce chapitre. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de chapitres comme ça qui restent vraiment cool à faire. Donc ça, on s'en fout. La lunette x2, non. Le capteur. Le capteur, je sais toujours pas si on devrait le prendre ou pas. On peut le garder. Juste au cas où. Mais bon. Ouais, juste au cas où s'il y a des créatures. Allez. Alors, on va s'arrêter là, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. On approche de la fin, évidemment. Mais ouais, il y a plein de... Ça y était pas, par exemple, ce petit rajout d'hallucination et tout ça, c'est vraiment cool. Ils ont beaucoup, comment dire, tourné l'histoire, en fait, autour du fait qu'on est parasité, là. Parce que, honnêtement, dans l'original, je me rappelle plus vraiment trop, hein. Mais dans l'original, c'est pas vraiment trop un problème. Je sais qu'à un moment, on voit genre Léon avec les yeux rouges, un truc comme ça. Puis on est
assez vite dans le laboratoire et je crois qu'on se fait retirer le parasite dans le labo. Alors que là, on était dans le labo avec les régénérateurs. Là, on a après on fait la base militaire et après on se fait retirer le parasite. Je sais plus exactement si c'est les mêmes, le même déroulé, mais c'était quand même moins impressionnant, moins présent, je crois, le parasite quand même. Le fait qu'on soit en parasité. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux avancé, tout ça. Donc, ouais. Bon, en tout cas, c'est cool. Vraiment, vraiment super. Voilà. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode. À la prochaine. Ciao, ciao!